Ionix sont un mythe. Ils n'ont jamais existé. Le domicile caché de fermé, ça sent le système libre, Brigitte, qu'elle est ouverte. La voyage, mais vous ne vous êtes pas pris. J'ai un doute sur tes capacités en électronique. Ton pneu, t'en es où? Y'a plus les pièces sur Mr. Chrome. On est mal barré. Oh, Slexno, t'en es où? Qu'est-ce que tu racontes, putain? On comprend rien! Je crois qu'ils ont tapé le commutateur! Les boucliers sont foutus! C'est sûr qu'en tapant dessus, ça fonctionne mieux. Combien de temps? Diego l'aurait fait en 20 minutes. Mais là, je suis tout seul, alors c'est la merde! Oui, bon, on va pas y revenir, des mécanos pour le moment, il y en a pas. Tu te débrouilles. Ah bah super. Et t'as 10 minutes! Enfoiré. Capitaine! Il se rapproche! Capitaine, j'ai évalué nos chances de fuite et elles sont de 13%. 13%, je sais. Capitaine, c'est chaud là! Ok, on y va! Cyril, reste au radar. Slexno, répare-moi rapidement ce putain de commutateur et le copilote! Ma copilote! Je vais jouer soft, je suis pas contre rien. Vous voulez jouer hard? Positronneur actif. Va jouer hard. Les années 90 ont eu leur lot de gros actionneurs des familles. C'est même l'époque, avec les années 80, à laquelle on fait systématiquement référence lorsque l'on parle de ce type de film. Terminator 2, Une journée en enfer, Speed, Last Action Hero, Bad Boys, True Lies, Demolition Man, Rock, Los Angeles 2013, Drunken Master 2, et j'en passe. Une époque où nombre d'excellents films d'action sont sortis, donc. Et on passera sur le fait que beaucoup d'autres sont sortis dans les décennies suivantes. Mais que voulez-vous, la puissance de la nostalgie dépasse souvent celle de la réflexion. Toujours est-il que c'est à cette période que Luc Besson, alors réalisateur auréolé des succès de ses trois films précédents, Le Grand Bleu en 1988 qui aura marqué une génération, Nikita en 90 et Léon en 94, décide d'enfin lancer le projet de sa vie.
un film qu'il aura commencé à écrire lors de son adolescence. Certaines mauvaises langues diraient que ça se voit. Un film aux multiples et illustres influences. Les rabat-joie parleraient plutôt de plagiat. Un film qui a tout de même raflé 3 Césars, meilleur réalisateur, meilleure photographie et meilleur décor en 1998, qui reste même 300 ans plus tard, l'un des plus grands succès du cinéma français. Un de mes films préférés, celui que j'ai le plus vu au cinéma dans ma vie, 12 fois et demi. Tout de même. Et demi ? C'est long à expliquer. Un film qui m'a marqué tant par son rythme que par son action, son humour, sa folie créative même. Vous l'aurez compris, citoyennes et citoyens, aujourd'hui on va parler du cinquième élément. Allez, schnell, on roule. Le cinquième élément est un film de science-fiction. Sans blague. Sorti le 7 mai 1997, on y suivra les aventures de toute une tripotée de personnages, dont les têtes d'affiche sont... Et Lilou. Bien. Leur but, tout simplement sauver le monde. C'est pas très original, mais ça a le mérite d'être important. Le film commence en 1914 en Égypte, alors qu'une caricature d'archéologue italien, son assistant de Beverly Hills et... Aziz, lumière ! Font des fouilles dans un temple et sont sur le point de faire une découverte majeure. Cinquième élément. Mais c'était sans compter sur le prêtre du coin qui semble vouloir cacher un terrible secret en assassinant nos amis. Sauf que rien ne se passe comme prévu puisque... des fucking Mondoshawan débarquent ! Le prêtre est un de leurs serviteurs. Nos amis manchots de l'espace règlent la question à leur manière et pour cause, une petite guerre est imminente sur Terre. Ils emportent donc avec eux quatre pierres représentant chaque élément et la statue de l'être suprême, le fameux cinquième élément. Le tout constituant la seule arme pouvant détruire le mal qui apparemment débarque de temps en temps. Tous les 5000 ans. Ça me laisse un peu de temps. Légitimement, le prêtre s'interroge. Si vous emportez l'arme, nous ne pourrons plus nous défendre. Dans 300 ans, quand le mal reviendra, nous reviendrons. Bim ! Nous voilà 300 ans plus tard, et devinez qui débarque ? Le mal ! Ah, c'est bien, je vois que des fois, il y en a qui suivent. Le mal, c'est donc une planète avec une extinction de voix. Et malheureusement pour nos gueules, elle se dirige vers la Terre. C'est la crise. Tout le monde panique, mais les Mondoshawan sont là avec les cinq éléments et le père Vito Cornelius, le serviteur actuel, enjoint le président à les laisser passer. Pas de problème qu'il lui dit, sauf qu'un malheur n'arrive jamais seul, et le vaisseau Mondoshawan se fait défoncer par des Mangalore. Mangalore mandaté pour récupérer les pierres par... Zorg ! Lui-même au service du mal, parce que quitte à obéir à quelqu'un, autant que ça soit la créature d'outre-monde qui te fait pisser du sang par le crâne quand tu lui parles. C'est sûr que c'est plutôt un bon réflexe de survie. Entre-temps, le gouvernement a réussi à récupérer un survivant sur le site du crash. Une main. Oui, mais qu'ils vont pouvoir cloner. Et c'est ainsi que naquit Lilou. Qui, sûrement paniquée à l'idée de devoir s'habiller comme tout ce qu'elle voit, s'échappe. Mais c'est vrai que la notion d'habillement dans le cinquième élément est une notion tout à fait relative, faut bien le reconnaître. Elle tombe littéralement sur le bon Corben, ex-militaire devenu conducteur de taxi, comme quoi Uber ça a pas duré. Et après une course-poursuite dantesque, il ramène Lilou à Cornelius. Non sans oublier au passage une règle basique. Oh, ok, t'as raison. J'ai. Octagama. Octogama, ça veut dire quoi ? Jamais, sans ma permission. C'est pas le sujet ici, mais au vu du passif du réalisateur, je préférais le rappeler. Par ailleurs, les Mangalore amènent son dû à notre bon Zorg. Malheureusement. Vite. En effet, les Mondoshawan ont confié les pierres à la diva Plavalagoon, chanteuse d'opéra qui doit se produire sur Flustone Paradise dans quelques jours, nous informe Lilou. Une fois le petit désaccord commercial entre les deux parties réglé, Zorg part à la recherche de Cornelius, qu'il avait interrogé il y a des mois à propos des pierres. Entreprise inutile, puisque celui-ci, en plus de le sauver de la mort, ne lui dit rien au sujet de la diva. Zorg envoie donc un de ses hommes de main espionner le gouvernement, qui a été informé du véritable emplacement des pierres par les Mondoshawan. Lilou et Cornelius, évincés de l'affaire par le gouvernement, ont cherché Corben puisqu'il a gagné un voyage pour Flustone Paradise dans un jeu concours. Manigance gouvernementale visant à envoyer Corben sur place afin qu'il récupère les pierres. Quoi ? Mais l'homme de main de Zorg piège Corben en le balançant aux flics pour un motif fallacieux afin de le remplacer dans le vaisseau qui le mènera à destination. Corben Dallas. Ah ouais, c'est moi. Piège dont Corben se sortira avec la technique dite du lépidoptère fourbe. Est-ce que vous êtes classé dans la catégorie humain ? Négatif, je suis une mythe en pullover. Mais c'était sans compter sur nos amis les Mangalore que leur code d'honneur poussa eux aussi à aller chercher les pierres sur Flustone en prenant la place du pauvre type arrêté à tort à la place de Corben. Dallas ? Corben Dallas ? Oui, c'est moi. Oui, je sais, ça a l'air complexe comme ça en résumant, mais c'est plus clair dans le film. Ah bon ? J'ai rien compris. Tout ce beau monde se barre donc d'une manière ou d'une autre pour Flustone Paradise. Multipass, multipass, mademoiselle. Multipass, mademoiselle. Scène musicale, prise d'otage, on récupère les pierres dans le corps de la diva. Super Green ! Baston, fusillade, bombe, explosion, les méchants meurent, on retourne sur Terre parce que le mal prend de l'élan pour son coup de boule planétaire, air, eau, terre, feu, le cinquième élément au milieu, la règle basique. Effet qui se coule,
Ça a le mérite de tuer le mal, on oubliera les millions de morts engendrées par les marées monstrueuses que ce nouveau satellite gigantesque très proche de la Terre ne manquera pas de créer, hein ? Le monde est sauvé, sexe et fin. Ce film déboîte. Y'a rien à faire, j'ai beau le voir et le revoir, je ne comprends pas qu'on ne puisse pas apprécier ce film. Et sans même parler du film en tant que tel, j'aime ce qu'il représente en termes créatifs. Le fait qu'il soit un projet de longue date du réalisateur, une production qui s'est étalée sur presque 6 ans, le fait que Besson se soit entouré de créateurs qui l'admiraient, Moebius notamment. Bon, même si leur relation s'est terminée par un procès. Il a l'habitude. C'est pas faux. Mézières, le dessinateur de Valérian et Laureline, produira aussi un immense travail de recherche graphique durant presque 2 ans. Ce ne sont pas moins de 8000 dessins préparatoires que le duo réalisera. D'ailleurs, je vous conseille fortement le tome 2 des Extras de Mézières, dans lequel vous pourrez voir certaines de ses planches et l'évolution qu'a connue le film au fur et à mesure de la production. On y apprend notamment que la scène du market transdimensionnel de Valérian était prévue à la base dans la première version du 5e élément. Comme quoi, même des années plus tard, Besson rend doublement hommage à Mézières dans l'adaptation de son œuvre. Mais le 5e élément, c'est aussi un travail incroyable sur la création des créatures et des animatroniques par une équipe de 50 personnes tout de même, dirigée par Nick Dunham, reconnu également pour les Harry Potter, Star Wars épisode 1 ou encore les Fils de l'Homme. 80 personnes de plus, 5 mois de travail pour construire 25 buildings de 6 mètres représentant le New York du 23e siècle. Avec le goût du détail, attention, des meubles derrière les fenêtres, des stores, des lumières, regardez-moi ces putains de merveilles, des maquettes, des effets spéciaux pratiques, des décors de fou, du cinéma, putain. Du sang et des larmes donc. Tout ce que j'apprécie dans le processus créatif, vous le savez. Et on ne peut que constater que Besson croyait à son projet, qu'il l'a mené de A à Z, qu'il s'y est consacré corps et âme, qu'il s'est battu pour. Il y a là, à mon sens, la démarche et la vision d'un auteur. J'ose le dire, le 5e élément est un film d'auteur. Oui, d'accord, mais enfin on peut dire ça pour des gros navets. T'as pas le commutateur, toi. Ils sont là ! Besson, t'es sûr de ce que tu fais, là ? Mais le 5e élément, c'est surtout... Commutateur réparé! Ok, j'active le bouclier arrière! Du pur divertissement! En position! La science-fiction est écrite de valeur, et c'est mieux si elle suscite la réflexion. On l'a souvent vu ici. Mais il ne faut pas oublier un autre de ses rôles fondamentaux, faire rêver. Et c'est là où je trouve le 5e élément passionnant. Il remplit parfaitement ce rôle, un aspect de la science-fiction malheureusement méprisé par une certaine intelligentsia. C'est une invitation à l'aventure. C'est un film qui excite l'imagination, via son univers bigarré, très pop, ses trouvailles visuelles de chaque instant, ses décors, ses costumes. T'as un chapeau extra. Qui, merci Jean-Paul Gaultier, ont presque défini ce qu'était la French Touch dans les années 90. C'est-à-dire faire des trucs tellement moches et chelous qu'ils en deviennent intéressants. Et qu'on aime ou pas, on ne peut que saluer la prise de risque avec ce côté décalé. Le film marque aussi par l'efficacité de ses scènes d'action. Personne d'autre ne veut négocier. Prenez la course-poursuite, qui en aura marqué plus d'un, dont George Lucas tout de même. Ne l'oublions pas, tout est là. Une montée en tension au départ, des ruptures de rythme en montrant d'autres événements, de l'action, de l'humour. Quand ils clashent au bout d'un kilomètre, c'est qu'ils sont lancés. Le choix singulier de la musique, mettre du rail pendant cette séquence, apporte une ambiance festive et décalée. L'expérience que veut nous apporter le film est concentrée dans cette course-poursuite. Et la fusillade de fin aussi est géniale. Bon ! Festive et dynamique, la fusillade reprend aussi les mécanismes d'un buddy movie. Une action continue qui se déroule sur différents niveaux, un élément nouveau toutes les 5 secondes, du rythme toujours, de l'action comme on l'aime. Octolaser, prêt à faire feu. Écorchons ces marsouins. Enfin, et j'ai conscience que c'est tout à fait subjectif, j'adore l'humour de ce film. Lilou Dallas Multipass. Il participe pleinement à l'ambiance pop dont on parlait. Il y a du vaudeville, du burlesque, de la raillerie, de l'absurde et de la satire. Une universalité de l'humour qui va être appuyée par une des techniques de montage et d'écriture de Besson que j'aime le plus. Les dialogues en quinconce ou des personnages dans des scènes différentes vont tenir la même discussion et se répondre. Vide. Comment ça, vide ? Ce procédé apporte du rythme tout en étant cohérent avec le fait que les personnages partagent un même objectif. Leur destin se croise à tel point que leurs dialogues aussi. Où
scooter. Bref, le cinquième élément remplit pleinement son rôle de grand divertissement. C'est un film qui excite l'imagination. Mais il serait temps d'arrêter d'opposer ces deux dimensions que sont le plaisir et la réflexion. Parce qu'on en arrive là, un des reproches les plus fréquemment faits au film. Le scénario est basique. C'est quand même un peu bas du front. C'est vachement niais. Ça fait pas trop réfléchir, quoi. Voilà, voilà. Allez! Je pourrais rétorquer qu'exciter l'imagination est à mon sens tout aussi important qu'un discours moralisateur ou intellectuel plus direct dont la SF sait bien souvent se faire la porte-parole. Car l'imagination et l'humour, eh bien c'est la liberté. La liberté au sens large, la liberté de penser, d'explorer, encourageant ainsi l'ouverture d'esprit et la joie de découvrir. Et c'est là le rôle de la science-fiction. Donc déjà il y a ça, mais c'est un autre débat, et on pourrait faire un épisode entier là-dessus. Non, ce que j'affirme, c'est que le cinquième élément sous ses atours lolilol... Dans la boue, Tagada ! Prends soin ! Est bien plus profond qu'il n'est paré. Faites-moi un check-up des systèmes. Ok. Double canon en charge pour 72 heures. Le temps de réponse des systèmes est optimal, Captain. Détendez-vous. Et il y a une scène qui illustre très bien cette double perspective du film. La scène de présentation du ZF-1. Ici, Zorg présente au Mangalore la nouvelle arme sortie de ses usines dans une séquence clipesque et publicitaire. Une scène qui, à part pour son côté récréatif et le fait qu'elle représente littéralement la profession de foi du film, c'est-à-dire la violence, c'est fun, semble être parfaitement gratuite. Car on pourrait penser que le ZF-1, avec toutes ses fonctionnalités, soit un fusil de check-off et qu'il serait réutilisé plus tard. Mais non, à part le fait que son mode autodestruction sert à éliminer les Mangalores 2 minutes après, et sa réapparition à la fin du film pour une utilisation lambda, il ne sert à rien. Je suis au courant. On pourrait aussi penser que la scène sert à caractériser le personnage de Zorg. Mais ça a déjà été fait 2 scènes avant, où le mec fait preuve d'une grande humanité. Licencié 1 million. Cette scène, elle est là pour caractériser l'univers du cinquième élément. Alors que l'ambiance du film et son énergie aveuglent le spectateur, Besson en profite pour distiller de nombreux indices qui rendent ce monde bien plus profond et intéressant qu'il n'y paraît au premier abord. Un monde dans lequel la morale n'a plus lieu d'être, et dans la scène du ZF-1, la violence est marketée et emballée dans un joli paquet. Emballée dans un joli papier cadeau plastique, et maintenant, vous le vendez. Voilà, vous allez le vendre. Et dès que l'on gratte un peu, cela va beaucoup plus loin. Le monde du travail est horrible, avec licenciements abusifs et expéditifs. Vous êtes licencié. Le film prend même le temps de nous informer d'une grève des éboueurs au spatioport. Le bordel. Cela ne fait pas avancer l'histoire, mais renforce ce côté oppressif. L'État est belliciste. Ma philosophie est de tirer d'abord et de poser des questions ensuite. Et utilise des dispositifs de contrôle orwelliens. Elle n'est pas fichée. La justice y est expéditive. Merci de votre collaboration. Les médias sont omniprésents, grotesques. Et surtout, la société humaine est extrêmement xénophobe. Dans tout le film, tout ce qui a trait aux aliens est toujours présenté plus ou moins négativement ou suscite la suspicion. Aliens devant nous. L'élimination des parasites du train d'atterrissage du vaisseau. La diva Plava Laguna qui fait flipper le chef de la sécurité sur Fluston. D'ailleurs, le statut particulier et la reconnaissance dont elle semble bénéficier pourraient rappeler le succès que pouvaient connaître certains artistes alors même qu'il ou elle faisait partie de minorités opprimées. Enfin, les Mangalores, qui sont présentés comme les pires saloperies de la galaxie. Ils ont de grandes dents, de grands fronts, de grandes oreilles et ils puent, c'est terrible. Les Mangalores. Et dont on apprend que le gouvernement a disséminé leur peuple, quoi que cela veuille dire. En définitive, ils sont présentés comme belliqueux et extrêmement dangereux. Nous prendrons bientôt notre revanche. Alors qu'au final, et contrairement à ce qui nous est martelé durant tout le film, bah perso, je trouve pas que les Mangalores soient si méchants que ça.
Mais bon, moi je suis pirate de l'espace, alors... Alors oui, ils sont un peu idiots, ils ont la gâchette facile. Mais il s'agit d'un peuple apparemment privé de droits par les humains et qui obéit à une forme de code d'honneur. S'ils ont indubitablement du sang sur les mains, on peut constater qu'il leur arrive de ne pas faire de victimes inutiles. Mais surtout, il est même fait référence à une cause qu'ils défendraient. Et ce serait pour cette cause qu'ils travailleraient pour Zorg afin d'obtenir de meilleures armes. A partir de là, il me semble évident qu'on n'est plus face à des tueurs aveugles et sanguinaires, mais bien à un peuple opprimé, qui ne cherche qu'à obtenir une reconnaissance de leurs droits fondamentaux que la société du cinquième élément leur refuse. Pour l'honneur. Oh non. Autre preuve de la xénophobie latente de cette société, la grève des éboueurs dont je vous ai parlé plus tôt. Eh bien, on apprend dans le making-of du film qu'une des scènes coupées nous présentait ces grévistes. Et je vous le donne dans le mille, ce sont des aliens. Des aliens au bas de l'échelle sociale qui, eux aussi, se battent pour de meilleurs traitements par les humains. Et ces éléments ne peuvent pas être là par hasard. En art, rien n'est gratuit. Tout a une signification. Ce monde est donc loin d'être idyllique. Mais ça ne suffit pas pour affirmer que le film porte un propos sur le sujet. Car ça pourrait être tout simplement le cadre qu'a choisi Besson, parce qu'il trouvait ça cool. Sauf que ce monde se construit en opposition totale avec le sujet principal du film, dont l'expression ultime est le cinquième élément, l'amour. Capitaine ! Attendez. Tout va bien? Vous êtes avec nous? Il reste quoi en armement? Eh bien, quelques lasers éparses. Capitaine! Moi, j'ai une solution. Ah non! Je suis prêt, capitaine. On va faire encore savoir ce qu'ils veulent. Envoie la communication. Bravo, cette cachette est minable. Je suis le Prima Gaius Corino. Nous avons assez perdu de temps. Livrez-nous votre... Oui, je sais. Vous voulez que je me constitue prisonnier et que je vous rejoigne sur votre vaisseau? Non, pour vous... Non! C'est votre copilote que l'on veut. Immédiatement. Copilote? Mais pourquoi? Cela ne vous regarde pas. Ah, si? Je suis sûr que si. Hey, capitaine, moi j'ai une solution. Ça suffit! Votre destin et celui de votre équipage dépend de votre décision. Acceptez ou mourrez! Décidez-vous. Faites-moi confiance, capitaine. Autorisez la téléportation. Capitaine, on n'a plus le choix! Allez, bouge-toi! On n'a pas que ça à foutre! Bordel! Cyril! Et c'est parti pour le show! Oh, c'est merveilleux. Alors, capitaine, convaincu? C'est un coup de bol, ouais. Oh, mais pas du tout. C'est l'amour de la danse. L'autre grande critique faite au cinquième élément, c'est son côté niais et manichéen. Les méchants sont très très méchants. C'est un monstre, Zorg. Je sais. Les gentils sont très très gentils.
les flics et les politiciens sont idiots, c'est le bien contre le mal, l'amour contre la mort. Rien de bien étonnant, c'est souvent le cas chez Besson. Et si c'est une critique qu'il m'arrive de faire de temps en temps pour d'autres films, ici, je ne peux m'y résoudre. Dans le cinquième élément, ce que vous appelez niaiserie, je l'appelle simplicité et clarté. Construire sur ces antagonismes simples n'est pas moins vecteur de valeur et d'émotion. Au contraire, cela peut être bien plus impactant, et je trouve que c'est le cas ici. D'autant plus que, nous l'avons vu, derrière cette simplicité peut se cacher des notions plus complexes qu'en tant que spectateur, nous pouvons explorer. Et le fait d'installer un univers où l'empathie n'a pas sa place, où tous les personnages que l'on voit évoluer sont en manque d'amour et dans une solitude extrême, participe à cela. Corben est divorcé. Ruby n'est suivie que par des courtisans sans saveur. Comment c'était ? Super green ! Il enchaîne les relations sans lendemain. Zorg n'a aucun ami, quel qu'il soit, et trouve un peu de réconfort dans son truc à trompe, là. Vito Cornelius est, un prêtre, quoi. Elle, c'est une fille. Vous avez remarqué. Et la mère de Corben est seule à se geler les fesses sur la lune. Corben, tu n'es qu'un monstre. Je n'aurais jamais dû te mettre au monde. Non ? Tout le monde est seul dans ce film. Quand le flic et la serveuse se draguent, la violence de ce monde se rappelle à eux et brise leur idylle naissante. Même le héros et le méchant de l'histoire ne se croisent pas une seule fois. Le seul duo existant, le seul couple qui apparaît à l'écran dans tout le film, c'est Corben Dallas et Lilou. Le seul espoir de sauver le monde, c'est eux, personne d'autre. Et moi je dis qu'à ce niveau de détail, ça commence à être sacrément injuste de qualifier ce film de pas du front. Et vous en voulez encore ? C'est qui pour vous, Lilou, dans le film ? Ah, le cinquième élément ! Non, ça n'a rien à voir, ça c'est l'amour, on l'a dit. C'est quoi, physiquement ? La statue du début ! Ah, vous croyez ? Puisque nos amis les Mondo Shawan embarquent les quatre pierres avec la statue centrale, l'être suprême qui déclenchera l'arme. Et parce que c'est Lilou qui l'a fait fonctionner à la fin, et qu'elle possède de nombreuses capacités surhumaines, bref, que c'est une entité. Parfaite. On fait tout naturellement cette équation. Mais est-ce vraiment le cas ? Quelque chose m'avait intrigué quand j'étais gosse. La main à partir de laquelle Lilou est clonée. Cette main m'a toujours semblé très différente de celle du bras de la statue. Autre élément troublant, la main semble tenir quelque chose. Une poignée. Et où est-ce qu'il manque une poignée dans le film ? Sur la valise que les Mangalore apportent à Zorg. Valise qu'ils ont récupérée dans les débris fumants du vaisseau Mondo Shawan. Là où la main a été trouvée également. Sauf que vous m'excuserez, mais on est d'accord que je ne vois absolument pas ce machin de 8 tonnes, sans aucune articulation, partir en courant en emportant une valise pour sauver sa peau. Du coup, j'ai une théorie. C'est pas le bras de la statue, c'est le bras d'un Mondo Shawan. C'est en tout cas ce que je croyais depuis 1997. Sauf que, en réalité, en comparant bien, et même s'il y a des différences, force est de reconnaître que ça se ressemble beaucoup. Voilà, ma vie n'était qu'un mensonge. Néanmoins, cette erreur m'a poussé à la réflexion, car nous sommes face à une entité non humaine qui a pour but de protéger, voire même de créer la vie dans tout l'univers. Une entité qui, on l'apprend dans le laboratoire, est très différente des humains génétiquement parlant. Et à partir de là, on peut se demander pourquoi c'est Lilou qui ressort comme résultat de ce clonage. Et cette réponse ne peut qu'être soumise aux interprétations de chacun. Mais voilà la mienne. Si c'est Lilou qui émerge de ce clonage, et par Lilou, j'entends une femme ayant l'apparence d'un homo sapiens, ça n'a rien de scientifique. Non, la raison est purement mystique. Reprenons. On est dans un monde où un être maléfique de la taille d'une planète apparaît à travers une espèce de passage dimensionnel. On ne connaît pas sa nature réelle, si ce n'est qu'il est le mal absolu. Puis apparaît son antagoniste total. Une femme d'apparence humaine clonée à partir d'une main extraterrestre qui va tomber par le plus grand des hasards sur l'homme qu'elle finira par aimer, alors même que la seule arme contre ce mal absolu est justement l'amour. Il n'y a aucun hasard ici, et il n'y a plus qu'une seule explication. C'est une puissance spirituelle qui est à l'œuvre. Après tout, l'ordre des gardiens des pierres, dont Cornelius fait partie, ne sont-ils pas des prêtres ? Ne les appelle-t-on pas mon père ? Mais les prêtres de quelle religion ? Pour quel dieu ? Cela n'est jamais précisé. Et pourtant, Lilou se qualifie elle-même, ainsi que Cornelius, de... être suprême. Lilou est une déesse. Ou un dieu. Ou les deux. Mais en tout cas, son apparence physique n'est pas la sienne. Elle est illusoire. D'ailleurs, le design de la statue elle-même est assez flou pour laisser libre cours à notre interprétation quant à la forme réelle de l'être suprême. Et si Corben avait été un Mangalore, Lilou aurait pris une autre apparence. Elle a ici pris la forme parfaite pour la personne que le destin allait mettre sur sa route. Puis voilà, on s'aime. Corben Dallas, ex-militaire, chauffeur de taxi, célibataire, aime les chats et les flingues, pas de plan cul, swipe à droite. Un être dont il fallait rallumer la flamme, et ce faisant, sauver et réenchanter le monde. En tout cas, le cinquième élément avait réenchanté le mien. C'est un film que j'aime profondément. Même 300 ans plus tard, il a bien vieilli, il est fun, émouvant, rythmé. Il aborde des thématiques simples mais traitées avec sérieux. Et surtout, il laisse de nombreuses pistes d'analyse aux spectateurs qui sauront lui ouvrir leur cœur. Voilà, citoyennes et citoyens, j'espère que celles et ceux d'entre vous qui n'aiment pas le cinquième élément sauront lui donner une nouvelle chance grâce à mon humble analyse. En tout cas, merci pour votre écoute, et à très bientôt. Mais voilà.
Prudence, droit devant. Nous l'avons récupéré. Parfait. Ramenez-le-moi et éliminez le reste du Nexus 6. Ce sera fait. Un capitaine n'abandonne jamais son vaisseau. C'est le vaisseau qui nous abandonne. Bordel ! Mais qu'est-ce que je fais encore ici ?